j'aurais aimé avoir moi 20 ans de moins pour jouer devant ce public. Moi, je vais dire aussi que j'aurais aimé avoir 40 ans de moins pour retrouver cette ambiance que j'ai connue dans les années 80. Un public merveilleux. Mais alors, au-delà de sa présence, il a été correct aujourd'hui, comme l'a si bien dit Hamoutel. Les messages ont été reçus 5 sur 5. Donc nous tenons encore à le remercier. Mais il reste quelque part quelques petites lacunes, quelques personnes qui continuent encore à utiliser quelques insultes acerbes vis-à-vis aussi bien de l'adversaire que de l'arbitre. Donc nous relançons encore ce message. Nous voulons servir d'exemple. Nous voulons que le public kabyle ait cette année au moins le trophée du fair play, parce que nous avons un public merveilleux. On le lui rend et lui, il participe aussi à cette progression et à ce renouveau, je dis bien renouveau, de la jeunesse sportive de Kabylie. Parce que certaines personnes sont venues me demander pourquoi le public Blue Daddy a été, si vous voulez, mis dans cette tribune latérale gauche de la tribune officielle. Je me suis emporté parce que les gens nous ont reproché, enfin certaines personnes, pas tous, nous ont reproché de les avoir mis là-bas parce qu'ils ont saccagé les sièges de la tribune. Mais nous avons été à la direction et à sa tête, M. Mulan, nous avons décidé de leur offrir cette tribune tout en pensant qu'à partir de la première journée du championnat, nous avons décidé, et ceci fait partie du projet, nous avons décidé de recevoir tous nos adversaires ici à Tizouzou dans des conditions extrêmement correctes. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que vous ayez trouvé un président de club qui puisse dire quoi que ce soit sur sa venue ici à Tizouzou. Les dirigeants du CRB ont été reçus, ils viennent de le confirmer, ont été reçus dans de très bonnes conditions. Vous avez entendu le président du PAC, vous avez entendu les dirigeants de Berabès. Donc aujourd'hui, nous continuons à recevoir tous nos adversaires, quels qu'ils soient, de la même manière que les précédents. Donc aujourd'hui, le public Belouizdadi a eu un comportement regrettable, je dis bien regrettable, mais encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est les dirigeants de Belouizdadi, et nous condamnons encore une fois le comportement de ses supporters Belouizdadi. قاسم محمد السعيد قلنا له ملزوم ان نوفمبر تمدينة تيزي وزو.